Et maintenant ? Accroche-toi. Ce plan ne me dit rien qui va. Silence, bête. Saute ! Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. Le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre ? On ne peut pas. Atreus. Qu'est-ce qui est écrit ? Quand le temps lui fait faux bond. Le voyageur avance à reculons. À reculons ? C'est à l'envers ? Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver ? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais, celle-là. Hiver ! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. On paye. Vas-y. Vetter. Aust, Vetter, Sumar. C'était pas ça. Fais-le. Vetter, Aust, Var, Sumar. Toujours rien. Atreus. Quel est l'ordre de la chanson, déjà ? Hiver, printemps, été, automne. Vas-y. Vetter. Aust. Var, Haust. À reculons, les amis. Quoi ? Bien sûr. Énigme. La réponse est inversée. Écrit. Vetter. Var. Sumar. Haust. Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que Merle chantait. Atreus. Vetter. Haust. Var. Sumar. L'énigme. L'hiver est en dernier. Et voilà, mon frère. Hiver, printemps, été, automne. Vas-y. Var, Aust, Sumar, Vetter. Rien ? Tu veux que je... Non. J'ai besoin de silence. L'hiver dernier. Tu es sûr que... Silence ! L'hiver en dernier.
Atreus. Aust, Suma, Var, Vitter. Oui. Atreus, ce mot. Fola, ça veut dire résiste. Essaie. Fola. Bien joué, petit. Écris-le encore. Fola. Poussez-le ! L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Fola. 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 Tête, comment est-ce possible ? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient ? Ils le font plus ? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leurs crocs. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Avant que le sol s'effondre. Tourne.
Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours aigri. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Poussez. Mais... Aie confiance. Prêt? Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Tu es malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. La pointe du burin. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, Tête. J'y pense à chaque seconde. Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux. Oui. Magni et Modi, les fils de Thor. Mer disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais. La grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Là. Ah oui. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace.
sortie. Il n'y a aucun moyen de l'attendre. Tu vois, il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Ces hommes, qu'est-ce que tu sais d'eux? D'abord, ce ne sont pas des... Eh bien, concentre-toi sur ton travail. En vrai, c'est toi, ton frère, je ne plaisante pas. Sordide, Baldur et ton oncle, Odin, leur chef, père, oh, et leur sœur, et... Leurs armes, comment se battent-ils? Oh, oui, mais si le croit. Magni est fort. Très bien. Il a une immense épée en plus de connaissance. Et me dit, décevoir plutôt embrasser un rat que lui serrer la main. Sa masse et son bouclier sont plus énormes. Bien, Atreus. Décevoir ton père. Ouvre l'œil. Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Toi. Atreus. En toi, le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton a un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Reste derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever ton bras. Je t'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la... Je me sens...
Désolé, je sais, je suis allé trop loin. Attention ! Je vais vous faire la peau. Retourne-toi. Je les vois. Carcasse jusqu'à Asgard. Oh, tu es pitoyable. Reste concentré. Mon fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit.
tu vas bien, tu vois. On devrait le surveiller. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un sceau magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin.